peuple de Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur vous amène. Et puis, son nom sort, il y a un attaque qui est le Kumbashi. Pour nous, Bangé de Milou, nous avons fait la Awa. Campagne d'évangélisation dénommée Moisson. Ou Moisson. Ndikunangaï, la carte y a terrain en plein air. Et l'on a serviteur de Dieu, Michel Ngenga. Eh, Bandekunanga, le Tunanga thème. Thème n'a vu Swezali. Où est le chemin? Ah, bien aimé de le Seigneur. Où est ton chemin? Comme Ngape, Namituni, où est mon chemin? Ah. Milouluana Ikuzala, samedi le 12 octobre, puis le 13 octobre. Donc samedi le 12 et puis dimanche le 13 octobre. Bien aimé dans le Seigneur, Toya, bon de la de 14h à 18h. Mon cher ami, où est ton chemin? Où est mon chemin? Le Tuninga Ikuzala Wapi, Ikuzala na Aveni Baba, arrêt Fizi, na commune ya Kapemba. Bandeko, bisonyo sobana ya Lubumbashi, batoto ya Katanga. Kuya, kuya, baba ungu, baba. Kuya, kuya pali, kuya. Tuye ibele, tuye ibele, batoto wangu, baba wangu, bamukuba wangu. Ah, tuye ibele, tobondela, elongo na Église évangélique Jésus la réponse. Oyo izali kukambama na mosali ya Nzambe apôtre Michel Ngenga Buya Ibele Tobundela. Ce jour-là, moi aussi je serai là. Papa Sundiata, je serai là. To tombola kombo ya Yesu Masi ya Nazareth. Ah, bana notre père ya Lubumbashi. Ilongo na ngai le 12, samedi le 12 octobre et puis dimanche le 13 octobre. Moi aussi, je serai là. Vous êtes adoré. Sikanzambe, Yesu Masi ya Nazareth, à Pamula, Batati Nibino, Maman Nibino, Mapute Nibino, Bani Nibino. Et combien tu as niveau de satisfaction? Non, moi c'est une fonction. T'es le président de la civique, mais c'est mal à l'aise. T'es les choses à l'aise. Moi, ça va juste mesurer. Sauf pour nous, on a fait 4 ans. Dans le pire, depuis rendre la main 2019, on a fait ça. Non. Et puis, dans la salle de ma camouane, Voilà, merci beaucoup Bandeko Nyoso Genor TV. Merci Bolandi moi ba vidéo wana série nabiso ya ba influenceuse et ça continue. Donc ya ba influenceuse na ba influenceur et ça continue toujours. Toujours ba épisode to bandagi na premier, deuxième, troisième, toujours kende kama lembe malembe. Je crois séquence mususu et ba kisami lususu ya Maria Tumba na petit ami na ye Kevin Bangope baza déféré na tribunal de grande instance ya ressort ya Gombe ndeseka bango nyoso bazali. Mais pour le moment madame Denise Dussochoa azana nous na baloko ya ANR moi ba vidéo na bomoni wana azana baloko ya ANR mais Maria Tumba aza déjà na tribunal de grande instance ndekwaza koto yo parce que ANR aza ki impliqué na ba propos na ye. Je crois bolandi ba numéro na nga ebele bele o na tuko sala relatif na dossier oyo avocat ya Jacques Ndala
avocat Jakinda la je crois Bolandaki émission na Genor TV oyo elekaki na plateau ya ndekonangai enami Stéphane Balamwange oya yambaki avocat ya Jakinda la Bolandaki ba déclaration ya avocat ya Jakinda la je ne veux pas entrer là dedans mais je crois que jana et ça moi bah élément autre que toucher au cours ya émission oyo par exemple tant avocat zolo ba ki Jakinda la banda basala ke ba acte wana asumba kamakila ba biloko ndenge wana alors je comprends pas si ko nazo mituna ba PD ba ngope ba souffre ka ndenge wana awa nazo justifier ba propos il y a Denis Dissochoate nazo justifier anerte je crois bato balandingai banda premier numéro 10 ko bazo comprendre toujours évoluer soki eza première fois ko landangai hein na série oyo soki eza numéro liboso yo zolanda kende kaka na Genor TV okokuta d'ailleurs na osenga na osenga équipe technique bazo mo balier ba numéro wana bachango na ba commentaire premier deuxième troisième numéro bachango na ba commentaire comme ça bo kika na ba commentaire na se ya vidéo bo komona balier wana bolanda évolution ya dossier avocat ya Jakinda la ya sa médecin te mais alobi Jakinda la azo sumba makila pendant tout ce temps bakanga ki Jakinda la et Jakinda 2011 bache na après bajour o ya lekaki na aner batinda ki na makala tanyo so asalaki na makala je crois azaki condamné na 2 ans de privation de liberté tanyo so Jakinda la salaki na makala est-ce que abanda ko bimaka ka makila nous sommes des gens normaux créés à l'image de Dieu. Donc, qui peut commettre tout n'importe quelle question, y a mike yandenge wana. Parce que awa tout ce dont nous avons besoin, c'est la vérité. Nadosé oyu. Soki, Aner a posé qui baba actuel n'est pas Jakinda la. Nous allons condamner Aner. Mais soki Jakinda la, instrumentalisé na Batunaye, soutenu par ses avocats, à lobby, Lukuta, je crois que lui aussi sera condamné. Parce que comportement wana ezo ternir image il y a RDC sur l'échiquier international na numéro ya suka ona uta usalawa na lobaki que tozo bunda poto zo siège na conseil des Nations Unies des droits de l'homme bolanda ki ya wakalate Félix Ayambaki Bill Gates pona makama ba vaccination tout ça mais pona candidature il y a RDC na conseil des Nations Unies, des droits de l'homme. Bill Gates a télémé libiso aboy. Pourquoi? Parce que RDC a respecté les droits de l'homme. Selon Bill Gates. Na makambo nyonso ba détenu au Muya ya onani Mutamba abimisakiawa malgré que les ako défrayé chronique et divisé ba doctrinaire. Mais oui, ça c'est sur le plan légal, sur le plan juridique. Mais sur le plan pratique, social, ba image au bozo mona, makambo mutambake kuta na prison, bati musu ba boaki bango na prison, sans être jugé, ba sambi sa bangote, ba kutana na juge naturel te, ministère public a juillet malamoko a auditionné ye et c'est fini, ba boaki ye na makala, banda kenda kuna atikala kokutana na juge naturel na ete, ayebite. Juge naturel là est Zanani Ayebina été mais il se retrouve à Makala et kuna collé à passi ba musu bazo passer nuit à même le sol collé à passi sokabeli qui s'ezate na Makala ba bosani bango ils étaient oubliés et pourtant les détenus ont leurs droits qui sont constitutionnels alors au regard de tout ça tozui difficulté ya kozwa siège na conseil des Nations Unies des droits de l'homme ba dongolomi so ba ennemi ya RDC ba telemi pona ko combattre biso elikambo pe ebimi alors maintenant nous devons défendre la république parce que je vous ai dit
dès le départ. Naza ni à gauche, ni à droite. Je suis pour la République. Je vais défendre l'image de mon pays. C'est tout ce que moi je fais. Alors, avocat, il y a Jakinda Laza médecin. Quand il dit que Jakinda là a joué au Kovandate, a commis le coup mutuazana hémorroïde ou c'est oumeli. Jakinda là a joué Sumba Makila, Jakinda là a joué Sumba Makila, tout ça. Bon, depuis 2021, il est là. Asumba Kamakila, nyonso, bolim sanga pona baterme, nde o bango bamploye ki. Nyonso wana. Azana ba litre ya makila combien na zoto na ye? Et chaque fois tout mona Jakinda la volant, tout mona Jakinda la na ba plateau, ya ba émission, azo sa l'émission. Alors au regard de tout ça, nous pouvons quand même nous poser quelques questions. Voilà pourquoi Mutamba na communiqué naye a sengi Jakinda la ayana ba preuve. Donc ayana certificat médical. Attaque ko coopérer yango libanda. Je crois que ba juge wana ba pesa ka plus confiance na ba résultat ya ba médecin légiste. Ba médecin o baza reconnu légo. Ba médecin à l'état. Ma juge m'a pas mis confiance na ba résultat na bango. Donc ataba ina certificat libanda. Je crois ba ko soumettre li susu na contrôle médical ya ba médecin légiste. Comme ça toye ba vérité. Mais côté ya madame Denise Dissochoa voilà. Na ma vidéo bo to landa. Denise Alobi a sali infraction T. A reconnaître infraction moko oyé a commettre T. Alobi président de Asiliki. Parce que Nazotia est mal à l'aise. La question que moi je me pose ici, il s'agit de quel président dont il est question là-bas. La dame parle de quel président? Président, il y a football, président. Il y a Mazembe, président il y a Saint-Luc, président il y a Vita, président il y a Daring, président de la République, président Nini Oya Siliki. Elle veut insinuer quoi? Que le Kolaza détenu, c'est que président de Moutou a tché na kacho, président de Moutou a pési ordre bakangaye. Ba propos au Denise Dissochoa Atenaki, à lobby. Keza Lukuta. Bolanda numéro nanga ya lobby. Vous allez comprendre que j'avais expliqué cette notion là de aveu. Na loba ki ba veu mususu ezala ka masonger. Ba veu mususu eza psychopathe. Tozana ba aveu de jactance. Siko aveu ya madame Denise Dissochoa. A lobby qu'ils a veu massonger. Alors, même ceux qui a lobby qu'ils a veu massonger, justice est kotikate. Justice m'a collandé la pobaye, pourquoi elle avait menti et quelle était son intention. A wangana lobby attend qui a nerté. Et pourtant, la vidéo est là sur les réseaux sociaux. Madame a lobby attend qui a nerté. A lobby yé a salaka ni na demiap ni na aner. Mettant à lobby na vidéo à lobby qui bakanga ki Jakinda la na aner et bisou tout obi ke Jakinda aner à lobby ke ye a utaki poto a ye batune makamwa $2,000 ou ya pesa ki Jakinda la a wangani me koto ya lobby a zwa ki FCR na ete loko ba futa ki ete bango basa ba eza régime ya ba ingra ba utiliza ka ye me ba futa kate. Alors il faut justice e ye ba banani o ba utiliza ki ndeko Denise Dissochoa. Banani o ifala ki ba futa ye me ba futa ki ete. Eza banani parce que na deuxième vidéo na vidéo mususu asala ki ndeko Isidore Kwanja wana asadresa ki na Isidore comme DG ya francophonie. Ba signa ki contrat ala ki si contrat na a chaki ngona fard. Alobi to signa ki contrat pour na $25,000. Soy $23,000. Mais bo futinga te.
j'ai fait mon travail. Waneza normal parce que il y a propagande, il y a la préparation, il y a francophonie. Mais si il y a une vidéo où il y a qui a s'adressé à Jakindala, il a parlé de ANR, il a parlé du régime ingrat. Alors il faut juste essayer, bah, régime ingrat et un régime nini. Aveu mensonger. Il a tout nié. Alors, quelle était son intention? Et qu'est-ce qu'elle cherchait en faisant cette déclaration-là? Elle cherchait quoi? Elle tendait à obtenir quoi? Et je suis honnêtement confus au place Wana. Parce que côté Jakindala, Jakindala a porté plainte à Nani, à Denise Dussochoa, à l'État, à ANR. Parce que Denise n'a pas propos naïe, c'est comme si Azaki complice. Il y a ANR. La maltraitance, Oyo, Jakindala a subi ça. Il y a loco, il y a ANR. C'est que l'auteur principal est ANR. Mais, tant que tu as même avocat, tout ça, plus tu as attaqué Denise, plus tu as attaqué Denise, il y a plainte. Il y a Jakindala. Mais pourtant, l'auteur principal d'abord est ANR. Si Koyo ba complice nde ba kobima. Lokola déjà complice à Liboso Monani, je crois que ba complice Moussousou ba koya. Toloba ki awa que nde ko Denise Dussochoa ba kangaki na Brazzaville. Nde ko moko komeli ngai abino esa lokuta azane na kini bona bo tout ça. Mais je vous balance na osenga na équipe technique ba balancer les bino vidéo ya tango bazo memaye balongo lié na Braza bazo tina na kine. Je crois que makamingi tolobaka awa ezaka vérifiable et vérifié. Avant na vanda na plateau pona loba na vérifia kana no ba information ona ya kanango. Genre TV c'est pas un petit média. Je ne peux pas me mettre sur le plateau pour raconter des balivernes. Non. Ma information, on a zo pesa, eza ma information, oyo, eza vérifiable. Parce qu'avant na vanda, na vérifiaka, na fouillaka, c'est ça le problème. Na mi rassuré, que ma kambo na zo loba na ba congolais, eza vrai. Parce que na lingagate, na lobby, après, na eko, lobby na eko zonga le susu, na mi dedi. Na wangani ou na rectifié, j'évite ça. Alors, na loba ki ke Denise. Mais je sais quand même de contacter quelques amis, tout ça. Alors, ils m'ont confirmé que la dame a été arrêtée à Brazzaville. La vidéo est là. Ndenge bazo memaye, batye na canot rapide, bazo kené na kin. Je crois que mon vidéo. Je suis en Braza. Je suis en Kisasa. Je suis en Baloko. Il y a ANR. Et si je suis en Pasaki, premier ministre. Mais Awangani Nyoso. Awangani Nyoso. Ce qui m'a vu, c'est Denise Asali. Et ça m'a songé. Mais ce qui est un psychopathe. Et que je me mets dans l'hôpital, je me mets dans le mémoire d'Ansemi, Dereze Mémoire, Bundu Dia Kongo, Bundu Dia Mayala. Je me mets dans la déclaration, je me mets dans la salle. Kabila tient en prison. Mais tu sais qu'il y a des gens qui tient en prison, tu sais qu'il y a des gens qui me mettent dans l'hôpital. Je me mets dans l'examen, je trouve qu'il était un démon. Je soigne les temps où il a commis discipliné. C'est comme ça qu'on peut aider des Congolais comme ça. Alors s'il s'avérait qu'il va venir et ça m'a songé, je crois qu'elle sera toujours poursuivie. Mais s'il s'avérait qu'il va venir mon psychopathe, que notre sœur a un problème psychique, à ce moment, bah, qu'on me mène à l'hôpital. Donc, c'est comme ça que ça va, ça sera. Mais
Concernant dossier ya Marie Maria Tumba, Maria Tumba et son copain, je crois que je ne peux pas ici condamner la justice d'avoir intenté une action en justice contre l'influenceuse Marie Tumba. Mais ce que je peux condamner ici, c'est la façon dont cette fille ou cette jeune dame a été interpellée par les agents de l'État, les huissiers là. C'est ce que moi je peux condamner ici. Le comportement de Marie, les faits pour lesquels la dame est poursuivie, je ne veux pas d'abord entrer là, au fond. Je suis d'abord à la forme de son arrestation. Est-ce que nous pouvons considérer ça comme interpellation? Non, ce n'est pas une interpellation. C'est une arrestation parce qu'elle est détenue pour le moment. L'interpellation, c'est juste pour l'identification, vérification des pièces d'identité. Et c'est pour quelques heures et puis on laisse partir les concernés. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, la dame a été manu militari, amenée au parquet et mise sous map. Elle a passé sa première nuit au parquet du tribunal de grande instance de la Gombe. Et donc, c'est une arrestation. Alors, je vais aborder ici les contours de cette arrestation-là. La façon dont la dame a été arrêtée par ces huissiers-là du parquet. C'est vraiment offusquant et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Vous l'avez regardé au début de mon émission. C'est vraiment offusquant. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons un problème. Makambo Mutamba pe azoloba. Bozo condamné Mutamba. Bozo condamné ye parce que vous voulez être trop juridique, légaliste, tout ça. Le juridisme. Les Congolais souffrent. Ils en pâtissent. Vous voulez que Mutamba soit trop légaliste, que Mutamba respecte trop la procédure, c'est bien bon. Mais ici, nous sommes pendant la période de changement de paradigme, changement de donne au niveau de l'appareil judiciaire. Mutamba est révolutionnaire et révolutionnaire. Mutamba a vu beaucoup de choses. Ce sont des choses que nous dénonçons tous, même les avocats. Tous les avocats dénoncent les arrestations arbitraires chez nous. Ils dénoncent les comportements des magistrats, les conditions carcérales dans notre pays. Tous nous condamnons ça. Alors, mais si nous avons un ami qui s'est arrogé quand même le courage, l'audace d'affronter cette magistrature, mais nous devons quand même l'encourager. S'il y a des petites choses à rectifier, nous pouvons le faire. Nous avons beaucoup de canaux par lesquels nous pouvons passer pour l'aider, corriger ce qu'il fait, ajouter un plus, au lieu de commencer à l'attaquer, à préférer même qu'il soit renversé. Quand même, lui a réuni le courage, parce que courage au Mutamba Zuya quoi affronter Conseil supérieur de la magistrature. Et ça m'oukete. Moutamba, ce qu'il y a soutien à Bissou. Ce qu'il y a soutien à ma collègue de l'avocat. Ou ma dénonçaka. Ma comportement ma magistrat. Ou ma dénonçaka. Ma condition. Il y a ma prison à Bissou. Je crois que l'égard fera mieux son travail. Mais si nous sommes là pour l'attaquer, Babimissi à peu près 1600, je crois 1680 ou 1600 quelque chose comme ça de détenus au Mutamba Babimissi dans le cadre de la liberté, libération conditionnelle.
Mais nakati wana to enregistré, je crois des cas comme ça. Bakuluna oyo ba récidivé. Mais imaginez sur 1600 et quelque chose. 1680 je crois. Mais vous enregistrez qu'à des cas, il y a des récidivistes. Vous voulez en faire un problème, vous voulez tuer Moutamba, vous voulez. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Avant Moutamba, avocat, Bazaki Belewana, le ministère, voilà tout ça. Mais Moussou Bazaki plongé dans Bamagui. Moutamba Bissibino qui a boya qui 5 millions awa. Il a dit ça tout haut. Nan yawa contredirie. Qui a Kosaki. Mais nous devons encourager ces gars. Tala siko nenge bazo kanga. Mwana mwasi oyu. Malgré le mal qu'il a fait. Oui. Bakangiye bazo reproché dépravation des mers na ba réseaux sociaux, ba injure publique, nyo sowala tout ça. Ce sont des faits que nous condamnons aussi chaque jour ici. Mais la façon dont la fille a été arrêtée par les huissiers du parquet de grande instance de la Gombe. Mais ça choque. Quand tu as un dossier, il y a Denis Dissochoa, Tozo Bundana, nous avons Jacques Ndala, l'opposition, nous avons fédéré, l'énergie, nous avons Jacques Ndala. Pour ternir l'image, il y a RDC sur l'échiquier international. Tozo bundana ne pona ko laver image na biso na niveau ya ONU tozo bunda tozo la siège moko na conseil des droits de l'homme des Nations Unies koto yo ba détenu na biso condition na bango carcéral précaire et entre-temps tozo na ba huissier li sous ya parquet ba osa la tapage ba kangi mona mwasi ba osa le tapage ba kangi na bilamba tout ça pieds nus ba soke na likolo. Je vais vous lire l'article 18 de la Constitution. J'aime beaucoup cette loi. Malgré qu'il y a parmi les bateaux, il y a une modification. Mais ça fait que nous soyons un État. Ça fait que la RDC soit un État au même titre que les autres. L'article 18 de cette Constitution. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Est-ce dans la langue qu'elle comprend? Ce qu'on parle lingala, chiluba, swahili, français, anglais, boluki interprète. À qui qu'on interprète? Makambo bozo loba naie, obozo reproché. Motif y a arrestation naie. Dès son arrestation, il doit être au courant du motif de son arrestation. Alinéa 2. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. Est-ce que Bawissi et Wana, ils sont formés à ça? Ce ne sont pas des juristes. Mais ça, ma juriste était. Parce que ceux qui m'ont dit ma juriste, n'a mis ça dans le Wana. Ako Kanisabakour. Il y a droit ou abanda kotanga. A ko respecter droit, il y a muto bake kokanga. Mais vous ramassez batuka nengwana parce que baza bandeko, familiocratie, copinocratie, partout. Des profanes, na droit. Bozuye, bo komisye, ouisye. Ouisye wana, il veut se faire un nom. Le kola a dit que Maria Aza, TikTokers, elle est publique, elle est populaire, elle est connue. Alors il faut ce qu'on va filmer yé azobaka comme on dit à lingala va filmer yé na Maria Tumba a simbié le quoi mouibi et puis moi la moisi makolongulu moi moi soit vivra kana ba produit tout ça très fragile makolongulu kolongwa na place au bakanga ki ti côté ba okenaé bien nu soka nyati sete lokolo vimbi bakatié lokolo l'état qu'on dédommagé parce que erreur il y a ba préposé il y a l'état. Bozo koti sa l'état ba préposé à l'état bazo koti sa ba inconscient wana bazo koti sa l'état na ba problème. Ce qui le lot osa attaqué partout tout ça na, tu sais qu'est dit oyo est-ce que tu sais qu'est dit a viola ka ba droit bat. Tu sais qu'est dit a viola ba droit bat.
Mais ce qui Bill Gates wana zo lobake Congo est respecté ba droit de l'homme té tout ça, ba comment combattre candidature na biso na conseil des Nations Unies des droits de l'homme, c'est parce que nous avons des préposés comme ça. L'État a des préposés comme ça, le quoi ba wissé oyo. Alinéa suivant. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. Bato bachaka o baba bakanga na bakasho la police. Na fufu et pas na biso awa. Fufu o ba memeli moi si na yele fufu. Bakangi fufu wana na porte na ba garde ba police baza na garde. Balia fufu wana détenu a zakuna a moni angote a moni pe ni moi si na été ni moi na no yele fufu a moni été. Mais ba garde wana balia fufu. Et après ba kesu ba tandie na se ba mando bete ba fumu. Na kenda mboka moko na lokolama. Na lokolama na kota forêt équatoriale. Na kenda ba opération moko kote wana. Na komi na lokolama bazo informer nga ke na kacho kacho ya la police ezana bato bakanga mikuna pendant ce qui est un mois. Ba musu 2 mois. Kacho komi prison, bato bazo déjà condamné. Komana la police a komai déjà juge de fond. Je suis allé voir les juges et les commandants de la police. Je lui dis, c'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas violer la loi jusqu'à ce niveau. Kolongwa awati osoué, c'est 2 jours na makolo, na moto journée moko. Ozana ba policier. Délai ya détention na garde à vue et ça 48 heures. D'ailleurs, je lis même la constitution. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Natangisa capitaine article 8. Mais mutu tant yozo kanga mutu. La garde à vue pendant 2 mois. C'est que tu es au-dessus de la loi. Ou soit ici à Lokolama, l'État n'existe pas. Capitaine Amonaki moto bimie na munoko et le même jour na ibisiye Lokola yo au sali déjà 2 mois bato ba bimité. 2 mois au déféré bango na juridiction compétente. Bato yo il faut babima bango tout. Ba onyo so basi ba lekisi 48 heures, ils doivent sortir de ces cachots. Nabimana bato belé na sima bazola na ngai bao bakota ki sika nde batigalaki mais le reste là bakenda to bimana bango et on dit tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Est-ce que façon bakanga ki moi na moi Maria Tumba ça respectait cet alinéa de l'article 18? Est-ce que ba condition ya arrestation ya moi na moi oyo est respecté alinéa souka oyo article 18? Est-ce que la vie de cette dame a été bien traitée pendant l'arrestation? Est-ce que la santé de cette dame a été respectée pendant l'arrestation? Est-ce que la dignité de cette dame a été respectée pendant l'arrestation? C'est pas tout bazo bazo landa bango bazo eh Maria tout ça bamso bazo tchola biloko nenyo wana et na réseaux sociaux partout bazo fingaye. Je suis un légaliste et je le resterai pour toujours. Le mal reste toujours le mal et le bien reste toujours le bien. Le mal est toujours le mal, quelle que soit la personne qui le commet, mais ça restera toujours le mal. Condition, il y a arrestation et moi, dans Oyo. Et respecter article 18, il y a constitution, et surtout alinéa, il y a souka Oyo. Ça n'a pas été respecté par les agents de ce parquet. Alors, les détracteurs sont tous en bas. Boyo Kassoni, Bakangi Mona Monsieur, n'a pas quitté Batu Balobi. Balobi, et quand Moutamba va réagir, oh, il a violé. Mais ici, quand le parquet a violé, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, laissez Moutamba tranquille.
Franchement, laissez Mutamba tranquille. Laissez Mutamba tranquille, papa. Ba juridisme na bino wana. Botchango na ba poche. Gardez ça. Laissez Mutamba tranquille. Merci beaucoup. Tokutana numéro mususu.